Ok, salutations personnelles à toutes et à tous. Voilà, c'est encore moi le gouverneur 5 étoiles, l'élément le plus dangereux. Toi, tu saches, ça chauffe pas. Voilà. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à toute la communauté malienne. Sans se bavoir, sans retarder, j'ai frappé. Ouais. Donc, famille, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. C'est très important. J'ai dit ce que je ressens. Et j'ai dit ce que je vois dans mes deux yeux. Et ce que j'ai vu aussi dans mes deux yeux. Ça chauffe pas. Voilà. Donc, partagez cette vidéo. Pas trop, c'est trop. Voilà. Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire visionner d'abord. Voilà. Vous comprenez? Je rebisse encore. Je rebisse. Ok. J'espère que vous avez vu. Hein. Bon, ici, je vais m'adresser à Ibeka. Voilà. Je m'adresse ici à Ibeka et Mamadou Cherif Aïdra. Et Oumou Sangaré. Et Sriki Diabaté Ibawan. Voilà. Sachez ou pas. Ibeka, je commence par toi. Parce que toi, tu es le chef de. Malien, quand toi tu vas en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous on te fait. Quand tu descends en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, fais ton cortège, Djidji bio authentique, ça chauffe pas. J'en passe. Je prends Oumou Sangaré, quand il descend en Côte d'Ivoire, elle est cortégée par de gros bras, par de sécurité, par de corabiers Djidji. C'est pas Wawa. Même Moustique ne peut pas s'approcher d'elle. J'en passe. Ibeka, qu'on appelle Sidiki Diabaté, le petit découlé là, quand il descend en Côte d'Ivoire, il est protégé, sécurisé, Gigi, authentique. Il n'y a même pas Moustique qui peut rentrer. J'en passe. L'autre petit là, Ibawan, quand il descend en Côte d'Ivoire, Gigi, authentique, sécurisé, mais déjà. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre que Gigi Arafat, il descend au Mali, à l'aéroport. Il y a des missionnaires, il y a des terroristes, il y a des djihadistes qui veulent le tuer. Dans les Maliens, j'ai bien une explication. Vous comprenez, la Côte d'Ivoire et Mali, c'est les deux pays camarades, frères et sœurs. On se respecte, on se connaît, on se connaît, on connaît, chacun connaît le valet de son ami. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre que Didier Arafat, il descend au Mali et puis les Maliens veulent essayer de tuer Didier Arafat. Là, je n'arrive pas à comprendre. Si Didier Arafat avait appliqué hier, c'est que s'il montait sur le podium, il allait avoir froid ou soit migraine, il allait tomber devant les yeux de tout le monde. Cet monsieur qui était en bout bleu là, je ne sais pas qu'est-ce qui était dans ton cœur pour venir envers notre artiste bien-aimé. Bien vrai, nous les Ivoiriens, on se bat beaucoup. On se bat beaucoup, Gigi. Voilà, ça reste en famille. Nous les Ivoiriens, on ne se tue pas. On ne se lance pas des sorts. On ne se lance pas des fétiches. Bien vrai, on a tout chez nous, mais on ne fait pas ça. Mais nous, on connaît le balai de l'homme. Vous comprenez un peu. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. À l'aéroport de Mali, Bamako, Didier Arafat, il sort à l'aéroport, il voit un individu mal stationné qui a des fétiches partout dans Boubou là, et il vient pour cogner Didier Arafat, le sécurité qui est à côté de lui. Il n'y a pas un qui a pu réagir, qui a pu agir. Il y a, qu'on appelle, les autorités maliennes, il n'y a pas un qui a essayé d'appliquer cela. Et ce vieux bougnon là, il finit de cogner Didier Arafat, il s'est arrêté derrière et il le regarde maintenant. Là, maintenant, il cherchait à dire dans la face, s'il avait essayé de faire un petit geste, le monsieur allait faire son travail, n'est-ce pas? Donc, les Maliens, je mets toutes les Mali, je mets tous les Maliens en défi. Je vous mets ici en défi, j'ai besoin d'une explication. La jeunesse ivoirienne, précisément la jeunesse ivoirienne, ont besoin d'une explication. Vous comprenez? La jeunesse africaine a besoin d'une explication. Parce que nous, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas concevoir que Didier Arafat descend au Mali et on va le tuer. Didier Arafat nous coûte très cher. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Tout d'abord, c'est Ivoirien d'abord. Donc, on a bien une explication envers vous. S'il n'y a pas d'explication sur ce problème, vous allez l'apprécier. Vous connaissez nos mots d'ordre. Quand on va lancer un mot d'ordre, c'est très, 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 très dangereux. Voilà. Mais pour l'instant, je m'adresse ici à Ibeka, Oumou Sangaré, Mohamed Cherif Aïdra. Quand toi, tu descends en Côte d'Ivoire, tu es respecté. Mais. Cet problème-là, vous tous, vous êtes au courant. C'est le monde entier qui avait cette vidéo. Dans cette vidéo, Maïd, ça m'a beaucoup choqué. Yannis, ça m'a beaucoup choqué. Vous comprenez? Ça m'a beaucoup choqué. Donc,
Les Maliens, vous avez des explications à nous donner. S'il n'y a pas d'explication à nous donner, prochaine vidéo, le monde entier va apprécier. Voilà. Debordo est venu, un moment, Debordo est venu insulter Mercon de toutes les Maliens. Nous, la jeunesse ivoirienne, on s'est imposé. Pour dire Debordo, Debordo, il ne faut pas faire ça. Côte d'Ivoire, Mali, c'est deux pays camarades, frères et sœurs. Mais nous, on ne peut pas concevoir aujourd'hui que notre artiste bien aimé, artiste engagé, qui fait la fierté, il dit bien toute l'Afrique entière, on veut essayer de l'assassiner au Mali, précisément à Bamako, à l'aéroport de Ibeka. Nous, on ne peut pas concevoir, on ne peut pas comprendre ça là. Donc, vous les Maliens, on a bien une explication. S'il n'y a pas eu d'explication qui vient de ce problème, je suis sûr, vous allez l'apprécier. Vous comprenez? Donc, Sirik Diabaté, Thierry Debordo, Arafat, c'est ton ami. Donc, on a bien une explication. Ibeka, on a bien une explication. Oumou Sangaré, on a bien une explication. Mohamed Chérif Haïdra, je m'adresse à toi, monsieur, je m'adresse à vous. On a bien une explication. Parce que ce monsieur qui était en boubou là, vous le connaissez. Vous le connaissez. C'est toute l'Afrique entière, c'est le monde entier qui a vu cette vidéo. Mais cette vidéo était choquée. C'était très choquant. Bon, celui qui va en parler ne peut pas parler. Mais moi, personnellement, j'étais choqué. Voilà. Comme je suis la voix des 100 voix, donc j'ai bien une explication. Sinon, prochaine vidéo, c'est toute Mali complet qui va apprécier ça. Donc, la jeunesse malienne, la communauté malienne, précisément à Bamako, à la République de Ibeka, nous, on a bien une explication. Ce n'est pas Wawa. Vous comprenez, Didier Arafat nous coûte cher. Bien vrai, nous, on se lime. Hein? Voilà, je vous répète ça, on se lime, Didier. Vous comprenez? Voilà. Je vais vous faire visionner encore cette vidéo. Je vais vous faire visionner. Un vieux maudit bon coin, chien comme ça qu'il est, il va venir détourner notre artiste. Vous voyez? Mais le gros bras, même là, c'est lui qui dit qu'il est gros bras là. Mon ami, toi, tu es payé pour quoi? Pourquoi toi, mets tes têtes là-bas? C'est un coup beauté. C'est un coup. Vous avez formé contre Didier Arafat. C'est un coup. Vous voulez le détruire. Vous voulez le fermer. Mais je tiens à vous dire, c'est un enfant béni par Dieu. Si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant. C'est un enfant béni. Donc, ça, c'est ma première vidéo. On a bien une explication. S'il n'y a pas d'explication, vous allez l'apprécier. Voilà, gouvernement pas foutaise. Chien que vous êtes.